Our theme for Budget 2024 is fairness for every generation. To drive the kind of growth that will move the needle for Canadians, particularly for young Canadians like millennials and Gen Z, we need to make strategic investments that will create jobs, enhance productivity, and maintain our position as a world leader in technology sectors. We need to make strategic investments that will empower entrepreneurs, small businesses, and Canadian workers, the best workers in the world. That's why we're investing deliberately in AI. Ce matin, j'ai rencontré des startups en intelligence artificielle qui font des progrès incroyables avec leurs clients. Des gros clients comme le port de Montréal, Pomerleau, Canam et plusieurs autres qui veulent améliorer encore plus leur performance. Par exemple, pour les grues gays, l'IA leur a permis de créer un système pour être plus efficace quand vient le temps d'affecter le bon équipement et les bonnes équipes au bon projet. Pour une compagnie avec la plus grande flotte de grues au Canada, c'est un outil qui fait toute la différence. So today, I am announcing that our upcoming budget will include measures to create good jobs in our AI sector and to boost productivity by helping businesses adopt AI with an investment of $2.4 billion. Aujourd'hui, je suis très content d'annoncer que notre budget va comprendre des investissements de 2,4 milliards de dollars pour créer des emplois dans le secteur de l'intelligence artificielle et pour aider les compagnies à adopter cette technologie. Nos mesures vont rentrer dans trois grandes catégories. Améliorer et élargir nos infrastructures et notre capacité informatique, encourager l'adoption de l'IA et protéger les travailleurs, et s'assurer de développer l'IA de manière responsable et sécuritaire. Je sais qu'il y a énormément de craintes par rapport à l'IA à travers le monde, mais je sais aussi que les valeurs et l'approche qu'on a ici au Canada doivent créer ces solutions qui vont rayonner à travers le monde pour garder l'IA au service de l'humanité. First, to provide access to world-leading computing capabilities here in Canada, we will invest $2 billion to launch a new AI Compute Access Fund and a new Canadian AI Sovereign Compute Strategy. Access to computational power and capital are two of the largest barriers to developing new AI models or applications. Compute power may seem abstract, but think of it as the tools available at a construction site. Just as more advanced tools allow workers to build faster, smarter, and with greater precision, increased compute power enables AI systems to construct more sophisticated applications and solutions. Whether it's for developing a new vaccine, synchronizing a city's public transit system, or empowering you to do even more, more easily in your job, these investments are going to be a game changer. This is about having the technological infrastructure we need to power our ambitions and support our AI researchers, innovators, and startups. Second, we want to help companies adopt AI in a way that will have positive impacts for everyone. To do that, we will invest $200 million through regional development agencies to boost the adoption of AI in critical sectors such as agriculture, healthcare, and manufacturing. $100 million in the AI Assist program to help small and medium-sized enterprises scale up and increase productivity by developing and deploying new AI solutions, and $50 million to provide training to workers who may be disrupted by AI, for example, to give new tools to workers in creative industries. Et troisièmement, on va créer l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle, avec un investissement de $50 millions. On va travailler avec les experts et les gens de l'industrie pour s'assurer que la technologie reste sécuritaire. On va s'assurer d'être responsable, de bien comprendre les risques et de toujours mettre le bien-être des Canadiens et de nos travailleurs au centre de nos préoccupations. Vous savez, cette semaine, j'ai beaucoup parlé de construction de logements et de ce qu'on peut faire pour bâtir plus, bâtir mieux et bâtir plus rapidement.
Mais aujourd'hui, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que nos investissements en intelligence artificielle vont nous aider à bâtir un meilleur avenir. Un avenir où on est encore plus efficace et productif. AI will help us build a fairer future with more jobs, more growth, and even more homes. That's what we're focused on. Fairness for every generation.